comme le Père voit, l'onction viendra. Il faut la vision pour avoir la provision. Vous voulez la provision sans la vision. Pourquoi? Qui est fou pour vous donner une provision qui ne vous servira pas? Hein? Verset Pissi. Jusqu'à à 24. On t'a Pissi. Éphésiens 4, 20 à 24. Éphésiens chapitre 9, verset Pissi. On t'a Pissi la Nance. Donc, je peux te. Mais vous, c'est ça. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voilà. Si du moins vous l'avez entendu. Entendu, si vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus. La vérité qui est en Jésus. Ça, c'est l'œuvre accomplie. C'est en lui, Jésus, que vous avez été instruits. Premier verbe là, à vous dépouiller. Ça, c'est le premier verbe qu'il faut entourer. Vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Votre vie passée s'appelle quoi? Le vieil homme. Romains 6, 6. Le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc tu vois, deuxième verbe qui apparaît, quand il y a dépouillement, il y a renouvellement dans l'esprit. Et je vais te donner un deuxième verbe, un deuxième passage pour enrichir cela. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dépouillement, renouvellement, troisième verbe. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité qui produit toutes choses, pas la prière. La vérité produit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On te dit une justice et une sainteté qui produit la vérité. On t'a jamais dit la prière? Pourquoi tu t'accroches à la prière? La prière a son rôle. Pourquoi tu la tournes? La ziga. Tu vois? Si tu ne crois pas, allons dans Romains 12. Romains 12, verset 1 à 3. Il faut m'écouter là. Pas te précipiter, papa prie pour moi. Je vais prier, ça ne te donnera rien. Absolument rien. Romains 12, il dit, c'est le même Paul. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Encore, il prend la main sur comme on vient de lire. Deuxième partie, d'abord le corps, deuxième partie, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métamorphosés, changés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce qu'on a dit changer ici par la prière? Pourquoi on dit qu'on va prier pour toi, ceux qui veulent changer, devenir, on va prier pour toi. On te dit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous avez vu le mot prier ici. Hein? Je pose la question. Pourquoi vous ramassez comme des moutons de panure para. Et je suis couché dans ma chambre, je regarde les moutons. Là. Ça, ce n'est pas les moutons de carambiri. Hein? Hein? Malia. Les anciens, les pasteurs, ils sont assis, ils les regardent. Les évangélistes les regardent. Heureusement, je n'étais pas là. Ouai, tu vas me faire yabir. Ça, c'est quoi? Non, mais à point. Amène mon verset, on va dire. Mais pour moi, verset 1. Ne vous conformez pas. Là, on rien. Dans le mot conformer à quoi? Il y a le mot formé. Il y a le mot con. Là.
Ok, si vous avez compris, vous riez, continuez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez, le bon mot maintenant, soyez transformé. Il y a conformé et transformé. Mais quel mot tu as choisi? Con? Quoi? Ok. Donc alors, désormais, tu vas plus con, être con. Vous me connaissez, hein? Ah, il y a. Je ne suis pas votre étranger. Yamba, man passane, yamba, yambe, pam, je ne suis pas le wara. Man wara. Soyez transformé. Métamorphosé. Par quel moyen? Le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi il parle de ça? Regardez cet homme-là. Il est né de nouveau. Mais il n'avance pas. Ses prières ne sont pas exaucées. C'est étonnant. Que les gens s'en vont prier, gêner. Rien. Ça veut dire que prier, gêner n'est pas le moyen pour changer. Si prier, gêner était le moyen pour changer quelqu'un et que Dieu ne me répond pas, il est un Dieu méchant. Alors que Dieu m'a dit que nous les méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Il dit quand notre enfant nous demande du pain, on lui donne du pain. Quand il demande la viande, on lui donne la viande. Il dit mais si vous les méchants, vous savez comment nourrir vos enfants. Et si moi je suis bon là, je ne vais pas donner le Saint-Esprit à celui qui me demande. Il y a des choses on prie, il y a des choses on ne prie pas. Ici là, la transformation, le changement, ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence. Ça va vous donner quoi? Quand votre intelligence est renouvelée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a trois dimensions. Première dimension, les bonnes choses. Deuxième dimension, les choses agréables. Troisième dimension, les choses parfaites. À quel niveau tu es? Bon, agréable ou parfait? À quel niveau de ta vie tu es par rapport à la volonté de Dieu? Et c'est pourquoi cet homme qui est là, cet homme qui est là, attends. Vous le voyez? Son cœur est changé. Il a un problème. Il est intelligent. Mais quelle intelligence? L'intelligence du monde là. C'est ça qu'il va utiliser pour se changer. Et il va voir ça ne marche pas. C'est ça que Moïse a utilisé. On dit Moïse était puissant dans les paroles et dans les œuvres de l'Égypte. Écoute-moi très bien. Moïse était puissant dans les choses de l'Égypte. Donc la magie de l'Égypte, la science de l'Égypte, donc les choses militaires de l'Égypte, il était fort dans ça. Il a cru que parce qu'il était le numéro 2 égyptien, il peut aller libérer son peuple. Il est parti avec cette connaissance-là. Ça a été la catastrophe. Il a fui 40 ans. Dans quelle sorte de fuite tu es actuellement? Tu es dans quel désert? Tu es à quel niveau? La question est là. Tu comprends? Quel est le problème du chrétien né de nouveau? Le chrétien né de nouveau a un problème qui le rend esclave pendant des années et des années et des années. Dans son cœur, il aime Dieu. Il veut faire le bien. Mais il y a une lutte entre son cœur et où? Mets le chapeau sur la tête. Regarde. Voici le combat le plus dangereux que
les chrétiens mènent. Vos pensées. On dit, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Pour que tu connaisses la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on est entré dans le processus du changement maintenant. Voilà comment le changement se fait, pas par la prière. Se faire quoi? C'est qu'il tient dans sa main, la Bible. Il ouvre la Bible régulièrement. Quand il ouvre la Bible pour lire, son cœur, il dit son cœur adhère à la parole de Dieu. Mais sa tête lutte contre la parole de Dieu. Quand il est ça, il est découragé, il ferme la Bible et il pose sur sa table. Il dit, bon, demain on va voir. Demain il prend encore la même Bible là. Il lit. Sa tête dit, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment donné, il n'aime plus la Bible, comme plusieurs d'entre vous. Pour lire la Bible là, c'est un fardeau. On dirait 500 kilos. Il n'y a plus de joie. Vous êtes assis, vous me regardez, il n'y a plus de joie. Et comment vous voulez avancer comment? Sans la parole, vous voulez avancer comment? Vous croyez qu'en venant chauffer les bancs ici, ça va vous amener? Vous êtes devenu chauffeur de banc de l'église. C'est pour que tu t'assoies le banc de Hehe. Tu es venu me chauffer encore. Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas avancer. Il y en a plein. Pendant des années, j'étais en Suisse, j'étais en Belgique et tout. Après, une fois, je me suis arrêté. J'ai dit, moi, je ne parle plus. Ah, mais il faut venir. Mamadou, comment il faut venir, il faut venir. Il dit, je ne viens pas. Quand je viens, vous me fatiguez. Vous me suivez de canton en canton. Canton de Berne, canton de quoi. Je suis dans les cantons là partout. Je prie pour vous. Vous tombez à terre. Vous roulez à terre. Vous vomissez. L'année prochaine, je trouve le même démon. Vous voulez pas la parole. Vous voulez simplement les dons. Et à cause de ça, il m'appelle, je ne parle pas. C'est ma femme qui va les voir, moi je ne parle pas. Quand tu n'obéis pas à la parole de toi et moi, on n'est plus amis. Ça ne m'intéresse pas. Ils m'entendent. Ils vont se fâcher quand j'ai fini, ils vont m'écrire encore. Ça ne m'intéresse pas. Obéir à la parole. Et c'est bien pour toi, c'est pas pour moi. Tu vois? Renouvellement de l'intelligence afin de connaître la volonté de Dieu. C'est ça le commencement de la direction divine. Prends ta vie. Ta vie a plusieurs domaines. Chaque domaine a un chemin. Toi, tu veux aller prier, tu arrives à un rond-point de ton parcours. Dieu te dit, j'ai mis en toi le Saint-Esprit. Romains 8, verset donc, 16. Il va témoigner en toi. L'Esprit de Dieu témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Romains 8, 16. Mais Romains 8, 14 dit, quand cet esprit-là témoigne, donc dans Romains 8, 14 maintenant, il dit que ceux qui sont fils, qui ont grandi là, qui sont devenus matures là, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu s'ils sont fils. Il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit pour te donner que tu es toujours enfant de Dieu. Tu es dans la joie. Mais
pourquoi tu ne laisses pas cet esprit-là qui a fait de toi un enfant t'amener à devenir fils. Tu n'as pas lu dans Luc 2 où Jésus était appelé enfant de Dieu, enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Va lire dans Luc 3, tu verras que c'est Jésus-là qui était enfant de Dieu. Dans Luc 2, et mon frère, et même on dit que dans Luc 3, on te dit maintenant, et tu es mon fils. Il a grandi. Et c'est ce qui a fait que Dieu lui a confié la tâche pour aller, pour commencer. La question est là. Dieu l'a confié, il dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Or, dans Luc 2, c'est l'enfant de Dieu, né, conçu par le Saint-Esprit. Conçu par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu clairement témoigner dans Luc 3, 20, 21 qu'il est fils de Dieu. Si tu veux aller de l'avant, dépouillement, renouvellement, revêtement, va dans Luc 4. On dit rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Va dans Luc 4, 14. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'est répandue partout. Voici le processus. Où en es-tu aujourd'hui? Oh oui, je parle en langue. Je n'ai pas dit que tu parles pas en langue. Je n'ai pas parlé de ça. Regarde les mots, les verbes. L'enfant qui naîtra de toi, Marie. On dit l'enfant. Le Saint-Esprit. Il deviendra esprit, fils comment? Quand le Saint-Esprit va le remplir. Luc 3, 20, 21. Et après, il sera rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1. Quatrième verbe, conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit conduit les fils, pas les enfants. Le Saint-Esprit conduit les fils, pas les enfants. Revêtu de la puissance d'en haut, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Le verset 14, quand il a vaincu le diable par la parole, il est écrit. Dieu a dit, Luc 4, 14, on dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Regarde, regarde, tout est complet. Où en es-tu toi? Tu es à quel niveau? Enfant, c'est pourquoi tu es maltraité. Va dire dans 1 Jean 2, tu vas trouver ça là-bas. Les petits enfants, les jeunes gens et les pères. Trois dimensions de chrétiens. Les petits enfants, c'est le péché. Les jeunes gens, c'est la parole, ils ont vaincu Satan. Les pères, ils se multiplient, ils se reproduisent pour remplir la terre. Fais attention aux verbes de la Bible. Les conjonctions, les adjectifs. Fais attention. Chaque mot, chaque chose a son sens. Tu comprends? À quel niveau tu es? C'est pourquoi à chaque appel, toi, tu es présent. Chaque appel, tu es debout. À chaque appel, tu es debout. Pourquoi? Ce n'est pas ton problème de nouvelle naissance. C'est la casquette. C'est ça qui te crée problème. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu réfléchis comme les gens de ton village. Tu réfléchis comme les traditions de ton village. Quand on te parle la parole de Dieu, toi tu parles de chez nous. Chez toi où? Tu es où? Tu as combien de nationalités? Chez toi où? La question est là. C'est pourquoi tu n'es pas stable. On ne peut pas se conduire par les traditions du village. Non, on ne peut pas.
Puisque la Bible dit que la tradition annule la parole de Dieu. Parfois, quand je te parle, tu te précipites, tu veux me répondre. Et c'est pourquoi je te descends en catastrophe. Là. J'ai plein de passages ici. Là. Si tu veux me répondre, là, je vais envoyer ça sur toi. Ah, tu vas comprendre la douleur. Il vaut mieux ouvrir ta pensée pour recevoir, pour aller de l'avant. Ça ne te sert à rien de venir mercredi, dimanche ici, si tu ne veux pas obéir. Il vaut mieux aller danser Goumbé, à Balafon. Il faut aller devenir danseur de Balafon. Ça ne te sert à rien. C'est pourquoi quand les gens ont dit, Jésus dit, ah bon, si vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, ils ont besoin de quoi? Nous, manger la chair de quelqu'un, boire ton sang, tu nous prends pour des anthropophages ou quoi? Ils sont partis. Est-ce que Jésus les a appelés? Il laissait 12 personnes. Il dit, mais vous là, vous partez pas aussi? Pierre dit, mais à qui on va aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons connu que tu es le Fils de Dieu vivant. À qui on va aller? Jésus dit ça, c'est bien. Il n'est pas un parti politique. Il n'est pas en train d'amener des gens derrière lui. Ah non. Tu dois décider. C'est pour toi. C'est pas pour moi. C'est pas pour lui. La casquette. Quelle est la casquette qui est sur ta tête? Ya casquette pour me faire. Quelle est la casquette? Ya casquette pour me faire. Qui s'oppose à la parole de Dieu? La casquette du raisonnement. La casquette scientifique. La casquette philosophique. La casquette traditionnelle. La casquette religieuse. Quelle est la casquette que tu as sur ta tête et qui refuse la parole de Dieu régulièrement? C'est pourquoi Dieu te propose de renouveler ton intelligence. C'est pas difficile, on n'a pas de prière. Hein? Le jour que tu vas te décapiter toi-même, tu dois te décapiter spirituellement. Je l'ai fait quand j'étais à l'université, quand j'étais converti. Ça m'a sauvé. J'ai dit à Dieu, jamais personne, ni mon père, ni ma mère, ni mon ancienne religion, ne peut pas m'enlever de ce chemin-là. Dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, c'est fini. Et je me suis planté sur la Bible. Ni le diable, ni aucun prédicateur de ce monde-là ne me fera laisser tomber la parole. C'est ça qui me tient 53 ans. Tu ne peux pas me faire trembler? Il est écrit, Dieu a dit, le reste ne m'intéresse pas. Tu n'as qu'à faire tous les miracles que tu veux. Le diable en fait, ça ne m'intéresse pas. Tu ne vas pas m'influencer? Ah non. Tu vas m'influencer, moi je vais manquer le paradis. À cause des miracles que toi tu fais, ça ne va pas chez toi. Donc tu vois, le jour que tu vas accepter d'enlever ça, le jour que tu vas chanter, comme on l'a chanté le mois passé, que tout genou fléchisse devant ta majesté. Quand tu vas chanter ça, quand j'ai commencé le ministère, ici là, c'est ça qu'on chantait régulièrement. Tous les pasteurs que j'avais... Allez, ici. Le bâtiment était petit comme ça. Mettons-nous à genoux. Crions. Voulons-nous obéir à Dieu? Ou bien sommes-nous venus chercher des choses avec Dieu? Et c'est pourquoi certains ont pu résister
d'autres n'ont pas pu. C'était une décision. Il fallait décider. Mon ami, c'est important. C'est le commencement du changement. Le dépouillement. Mais Dieu t'a donné un cœur nouveau. Le dépouillement, c'est toi. C'est ta tête, renouvellement. Jusqu'à ce que tu sois fatigué, tu vas continuer à t'opposer à Dieu. Tu vas commencer à vouloir rouler Dieu. Il y a des gens qui veulent rouler Dieu. Parfois, je les regarde, mais ce type-là, toi, tu peux rouler Dieu. Tu ne peux même pas me rouler, toi, tu veux rouler Dieu. Ils veulent flatter Dieu. Mais ça veut dire qu'ils sont fous. Tu peux flatter Dieu. Toi. Ok, vas-y. On va voir ce qu'il y a. Tu peux flatter Dieu. Ah Seigneur, si tu me donnes ça, il y aura ça. Toi tu dis ça à Dieu. Dieu sait que tu mens. Le diable lui-même sait que tu mens. Toi-même tu sais que tu mens. Tu as trois menteurs devant toi. Deux menteurs devant toi. Toi et Satan. Toi et Satan, vous savez que toi-même tu mens. Je remercie Dieu, je dis à la maman, je remercie Dieu de ce qui s'est passé mercredi soir. Donc, Dieu m'a donné paille. Ils sont assis dans la défaite. Ça, je ne manquerai pas cette occasion-là. C'est pourquoi je suis là ce matin. Des pasteurs à tout le monde. Hein. Va te justifier ici, pasteur. Vaut mieux rentrer dans les rangs, marcher avec Dieu que de vouloir jouer aux martyrs et aux choses. Personne n'est martyrisé ici. Chacun se martyrise lui-même à cause de nos rébellions, de nos péchés. Dépouillement. Dit renouvellement et revêtement mon frère. Pourquoi comment tu vas faire ça? Éphésiens 4, 23 à 24. À te renouveler dans l'esprit votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Voilà. Mais Seigneur, tu as dit nous sommes une nouvelle création. Mais est-ce que tu l'as revêtu? Est-ce que tu utilises la nouvelle création là chaque instant? Tu n'as pas vu Élisée, le jeune prophète? Quand Élie a laissé tomber le manteau, il savait que le manteau lui appartenait. Il a pris le manteau, il n'a pas utilisé. Il dit, il y a des choses que je dois régler. Élisée, tu as eu l'onction. Non, tu es bien. Il dit, non, il y a des choses que je dois régler. Que dois-tu régler? Il dit, attendez. Il avance vers le Jourdain. Il arrive vers le Jourdain. Son maître qu'il appelle Père est parti. Donc lui vient d'avoir un héritage. Écoutez-moi. Le fait d'avoir l'héritage ne vous servira pas. Comme Paul l'a dit dans Galates, si vous êtes un enfant. Il dit, si l'héritier est un enfant, l'héritage ne te sert pas. Si tu lui donnes, il va gaspiller comme le fils prodigue. De Luc 15. Élisée sait que s'il se précipite, il porte le manteau là, ça ne le sert pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut bien voir cette partie-là. Les gens disent, on veut le manteau d'Élie. Ça ne marchera pas. Le manteau d'Élie ne marchera pas. Parce que tu as la mauvaise manière de faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les habits de prophète
stagiaire ou d'élève prophète là. Il s'est arrêté. Il a pris ses vieux vêtements là. Ses vêtements d'étudiant prophète. Et il a déchiré. C'est ça qu'on vous demande. Dépouillement, renouvellement et revêtement. S'il te plaît, si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Ce n'est pas Élie qui lui a dit de déchirer. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de déchirer. Non. Une décision personnelle. Je ne peux pas fonctionner avec deux pensées. La pensée que moi, Élisée, j'ai, elle est différente de la pensée de mon père. J'ai vu mon père me parler. Il m'a enseigné à Gilgal, à la classe de Gilgal. Il m'a enseigné à la classe de Bethel. Il m'a enseigné à la classe de Jéricho. Il m'a amené au Jourdain. Il m'a enseigné au Jourdain. Maintenant que j'ai eu mes quatre choses, je passe maintenant à master derrière le Jourdain. Et il m'a posé la question finale. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a tout ça là. Quand vous étudiez la Bible, vous n'étudiez pas la Bible en profondeur. C'est ça qui fait votre légèreté. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler. C'est trop léger. C'est trop léger. Trop léger. Gilgal, c'est une formation pratique. La circoncision, il y a la douleur. Tu es circoncis. C'est ça. L'opprobre est enlevé. Bethel. Tes yeux s'ouvrent. Tu vois le ciel. Tu vois le ciel ouvert. Tu vois Dieu en haut. Tu vois les anges monter sur l'échelle. Ta vision est bien. Jéricho. Maintenant, comme tu es circoncis, tu as la vision. Les murailles de Jéricho tombent facilement. Facilement. Et quand les murailles tombent, rien ne s'oppose devant toi. Tu arrives au Jourdain. La limite entre Canaan et la terre et le désert et la terre promise. Tu passes avec ton père et tu poses la question. C'est la question de l'examen final. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que je reçoive la double portion. Double portion. Il dit, ah bon? Tu es un fils authentique alors? Il dit oui. Tu es un fils loyal? Oui, oui. Tu n'as pas gâché mes choses? Non. Parce qu'il y a beaucoup de fils. On leur donne des choses. Ils disparaissent. Ils gâchent tout. Alors, une seule condition. Si tu me vois partir, si ta vision est claire, l'œuvre que j'ai commencée là, si tu vois cette œuvre là, comme le Père voit, l'onction viendra. Il faut la vision pour avoir la provision. Vous voulez la provision sans la vision. Pourquoi? Qui est fou pour vous donner une provision qui ne vous servira pas à accomplir une vision?